Salut à tous, c'est Isaki. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du nouveau mode qui va arriver très prochainement, le 50v50 2.0. Enfin 2.0, ça veut dire genre la deuxième version, parce qu'il y avait déjà la première. Donc dans cette vidéo, en fond, j'ai mis un top 1 10 kills que j'avais fait. J'espère que ça va vous plaire. Je mettrai le gameplay en complet avec vite fait des coupures pour pas que ça soit trop long non plus, tu vois. Parce que je crois que ça a duré environ 25 minutes le clip. Déjà, faut savoir qu'Epic Games a eu plusieurs problèmes au niveau de leur serveur. Donc le mode sera repoussé à la semaine prochaine. Je vous mettrai le texte qu'a écrit Epic Games sur Reddit. Et du coup, ils ont donné un sac qui est gratuit dans la boutique actuellement, là, aujourd'hui en tout cas, le 13 avril. Donc, par contre, le sac, c'est limité, genre, il sera pas là tout le temps. Donc, ceux qui l'ont pas encore pris, n'hésitez pas à aller le prendre. Ça coûte 0 V-Bucks, quoi. En ce qui concerne la date du mode 50v50, je ne sais pas encore la date exacte, mais ça sera la semaine prochaine. Ça, je le sais, en tout cas, la semaine prochaine. Ils l'ont dit aussi dans un texte, je vous le mettrai. Donc, ensuite, après le mode 50v50, ils vont sûrement mettre le mode jeu d'armes, du coup, qui avait été proposé par quelqu'un, je crois, sur Reddit ou quelque chose du genre. Et Fortnite ont dit que c'était une bonne idée et ils vont voir s'ils peuvent le faire, mais je pense qu'ils vont le mettre quand même, vu qu'ils ont dit que c'était une bonne idée et tout. Donc normalement, du coup, après le mode 50v50, il y aura sûrement le mode jeu d'armes, du coup. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le mode jeu d'armes, donc c'est un mode où on commence avec une arme un peu nulle. Par exemple, je dis pas que l'arme elle est nulle, hein, mais par exemple, un pistolet mitrailleur, par exemple, disons. Et ensuite, ou peut-être, enfin ça voit, c'est à Fortnite de voir, mais en tout cas, à chaque kill, tu changes d'arme. Et sûrement, genre à un moment, genre par exemple, il faudra faire, je pense, 20 kills. Et à 20 kills, t'auras genre un truc dur, genre, je sais pas, peut-être un sniper ou un couteau, quelque chose du genre avec lequel c'est dur à tuer quelqu'un, tu vois. Genre par exemple, une pioche même, mais ça va être vraiment dur une pioche, donc je pense pas. Donc voilà, et puis bah, s'il fera ce kill-là, bah, ça sera celui qui fera le kill avec l'arme la plus difficile qui va gagner. Donc voilà pour ce qui est du mode jeu d'armes du coup. Voilà, donc c'était tout pour moi. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner si vous avez envie, je vous force pas. Et aussi, je laisserai le gameplay du top 1. Donc pour ceux qui veulent voir, regardez, faites comme vous voulez, moi je vous force pas à regarder, mais en tout cas je mettrai le gameplay, c'est un top 1 10 kills comme je l'avais dit. Au revoir.
foreign, get off the boat. I put it on top, she leak in. She leak in. Touch you a freak on the weekend. The weekend. Blame on me, no shame on you. No, you can't hide the truth. I might get it raw recoup, but just to flex on you. Blame on me, no shame on you. No, you can't hide the truth. I'ma slide right through your roof. Might pop a pill or two. Let them hear we chop the deuce. Fuck that, we getting loose. See, sweeter than some juice. I slurp it like a snake. She a naughty type on a weekend. Perfect night, she gon' let me start the creeping. Baby, going offense, I'm playing defense. You a type fast. The closer you got to me, the faster.